Une simple crêpe au sucre, à La Chandeleur, cette crêperie ixelloise ne désemplit pas. La Chandeleur, c'est vraiment notre journée la plus complète de l'année, midi et soir. La tradition est tenace. Pour autant, connaît-on encore l'origine de cette fête païenne devenue chrétienne ? Je ne connais pas la signification. Non, pas vraiment, en fait. Je suis désolée. La fête des chandelles, la présentation du Christ au temple, l'arrivée du printemps après l'hiver rude. Les origines sont multiples et variées, mais aujourd'hui, cela importe peu. Seul compte désormais le plaisir gustatif de la crêpe, un plaisir décuplé quand celle-ci est éphémère. Si je prépare le ballotin de pommes caramélisées avec glace vanille. Ballotin, c'est une de vos spécialités ? Je fais régulièrement, oui. Surtout pour les moments de fête, que ce soit la Chandeleur ou que ce soit Noël. Même pour la Saint-Valentin, j'en ferai une certainement. Elles sont très très fines, très légères, très très bonnes. Franchement, un délice, autant sucré que salé. Et comment plus Thomas utilise uniquement de la farine bio ? Je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, à présent, j'ai faim. Alors je vais déguster tout ça. Bonne Chandeleur à tous et bon appétit.